PEGI 18. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bodyguard Game Online. Aujourd'hui je vais faire le défi du RPG pour pouvoir gagner une mêlée générale. Donc vous allez voir, c'est pas un défi vraiment facile. Il faut savoir une chose, que sur la mêlée générale il y a deux petits points noirs. C'est que les joueurs vont très vite parce qu'ils jouent beaucoup à la mitraillette. Donc se placer avec un RPG c'est vraiment pas évident. Donc pour ceux qui arriveront bien sûr à gagner ce genre de partie, félicitations à vous. Parce que c'est vraiment pas évident du tout. Ou pareil, ceux qui vont jouer à l'arbalète ou au tomahawk ou au couteau balistique. Ou au C4 bien sûr, parce que c'est vraiment des défis super difficiles à réaliser. Après je compte pas le bouclier, parce que le bouclier, le mec qui gagne une mêlée générale, c'est qu'il y a un sacré problème en face, hein. C'est soit il s'est placé 6 collègues à lui, ou soit franchement c'est le meilleur mec que j'ai jamais rencontré sur la console. Parce que gagner une mêlée générale au bouclier, sachant que tout le monde joue à la mitraillette, c'est pas évident. Vous avez vu comment il a campé le mec dans l'ascenseur? Franchement il était beau ce RPG là. Et lui je sais pas en quelle sensibilité il joue, mais j'ai l'impression qu'il joue à 1. Donc faut savoir aussi une dernière petite chose, c'est dès que vous allez jouer par exemple à ce genre de défi, il faudra de temps en temps bien sûr placer des coups de couteau si vous voulez récupérer un obus de RPG. Parce que vous allez être confronté à être en cours de munitions très rapidement. Parce qu'en fait vous avez que deux tentatives. Et si vous voulez par contre vous tuer un mec, de toute façon quoi qu'il arrivera vous aurez pas la petite housse bleue. Parce que les dégâts explosifs ne comptent pas, c'est ça qui est un petit peu dommage, ils auraient dû les mettre pour les gens qui font des défis. Non, je plaisante. Donc regardez le coup de bol. Hop hop hop. Voyez le coup de couteau, ce coup de couteau là je suis pas vraiment fan. Parce qu'il est vraiment dur à placer. Il faut être vraiment collé et il faut avoir un sacré coup de bol des fois par moment. Donc regardez comment je suis obligé de courir un petit peu partout. Mais mes collègues là en face en mêlée générale ne bougent pas vraiment plus que ça, j'ai remarqué. Ils préfèrent rester campés dans leur point ou temporiser un peu lentement. Donc regardez bien là. Parce que franchement, des fois, vous pouvez toujours trouver des ennemis qui sont un petit peu dissimulés, un petit peu dans les passages. Donc, vous avez vu déjà le mec qui fait que des petits va-et-vient. Donc, faut savoir que ce défi-là, il m'a vraiment embêté, mais de chez embêté. C'est que là, j'ai un petit problème de... Je me suis fait tuer, vous avez vu. Ah, 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 un mec qui campe dans le coin, parfait. Donc, j'ai réussi à le toucher. Lui, regardez, le sniper, faut savoir que lui, ce qui est, j'adore avec ce genre de jeu... C'est que les réapparitions réapparaissent toujours au même endroit ou juste à proximité de vous. Je trouve ça vraiment merdique. Parce que vous avez tendance à tuer un mec et deux secondes après il est là sur vous, un centimètre à côté il a apparu. Donc c'est vraiment chiant. Donc, je déteste parfois ce jeu là par rapport à ça. Donc vous avez vu tous les petits bâtons électriques, tout ce qui pose les mecs. Regardez bien. Non, et là, les petits salauds, ils s'enfuient, donc j'ai pas réussi à l'avoir. Donc là, je préfère viser lentement, je l'ai touché. Vous avez vu le sniper qui m'a attaqué à gauche? Je préfère même pas revenir sur lui, parce que je sais qu'il va me dégommer. Ça me sert à rien de revenir sur un sniper. Bah voilà, un autre sniper en face. Oh, je commence à en avoir marre de... Donc les snipers, faut savoir une chose, que j'ai fait un défi. Dans les défis suivants qui vont arriver bientôt, vous allez vraiment vous marrer comment je mine le sniper. Moi qui joue jamais à ça, donc j'ai quand même réussi à vous faire quelques petits trucs intéressants, mais vous allez vraiment vous foutre de ma gueule. Donc regardez le petit RPG. Donc faut pas user inutilement en fait votre obus. Donc faut bien viser. Par contre vous faites souvent des marqueurs, j'ai l'impression. C'est que je sais pas pourquoi, mais des fois vous avez tendance à toucher le mec au RPG. Bah malheureusement il prend pas... Bah, il prend pas l'explosif ou je sais pas comment ça se fait, mais j'étais beaucoup confronté par rapport à ça. Regardez, lui par contre il va vraiment m'agacer. Regardez bien qu'est-ce qui va se passer, hein. C'est pour ça que je vous dis, je déteste de revenir sur la même personne. Je vise mon RPG, il le prend pas. Il se déclenche pas en fait. Donc je vais pas vous mentir, ça m'a commencé un petit peu à m'agacer ce joueur là. Parce qu'à chaque fois je courais vers lui, je déployais mon RPG, il me mettait une seule petite balle, une seule balle de RPG. Une seule balle de fusil à pompe et il m'annulait directement mon RPG. Donc c'est assez décevant. Bon, regardez, je vais encore revenir vers lui. Non, là je vais tuer celui-là. Donc voilà, je recharge mon obus d'RPG. Et vous allez vraiment vous marrer, hein. Regardez qui est là, encore lui. Non mais purée.
Vous voyez, c'est ça que je déteste avec ce genre de joueur, c'est qu'il y a plein de joueurs qui font de l'anti-jeu. C'est qu'ils restent dans un coin, ils font que des va-et-vient, et voilà, viens vers moi et je t'emmerde. Voilà, regardez, 4 fois. 4 fois, 4 fois. Non mais, c'est pour ça que je vous dis, franchement, ce des... Il y a des défis comme ça qui m'ont vraiment énervé, qui m'ont vraiment... qui m'ont mis hors de moi, façon de parler. C'est que, regardez, je vais encore revenir vers lui. Non, là, il est pas là. Et ben voilà, 5 fois. Vous voulez faire quoi, sérieusement? 5 fois vous vous faites fumer par le même mec, ça vous donne envie de jouer? Franchement, de vous à moi, ça vous donne envie de jouer? Parce que j'ai l'impression que... Mais ça devient la mode, hein, je vais pas vous mentir, Call of Duty, hein. Ça devient la mode de temporiser comme ça. J'avais mis une partie comme ça pour présenter le premier mondial en mêlée générale, comment il bougeait. Vous aurez vraiment rigolé. Il fait que des va-et-vient. Un coup devant, un coup derrière. Un coup devant, un coup derrière. Un coup devant, un coup derrière. Je vois pas l'intérêt de jouer comme ça. Vous voyez bien, moi personnellement, je suis au RPG. Je suis pas là pour montrer que je suis le meilleur ou loin de là. Hein. Mais je suis en train de vous montrer une partie au RPG. Et j'essaie de rusher au maximum. Donc là, il y a eu un bug. Comme vous avez pu voir. Parce qu'en fait, l'autre avait quitté la partie. Donc c'est fabuleux ça aussi. Hein. Parfait. Donc là, je recharge. Donc là, il a réussi quand même à prendre son truc. Donc ce genre de défi, franchement, accrochez-vous, ils sont pas fastoches, hein. Il y a beaucoup de mecs qui campent, il y a beaucoup de mecs qui rage, qui quittent les parties, c'est Call of, hein, bien sûr. Call of, ça commence un petit peu à empirer, hein. Depuis Modern Warfare 2, ça devient un petit peu n'importe quoi, je trouve. Après, c'est mon avis personnel, parce que j'ai commencé sur Call of 4, donc j'ai vraiment vu la progression de tout ce peuple qui arrive là, le nouveau. Et franchement, ils font tous de l'anti-jeu, ils courent plus, ils sont que là pour leur série, leur Counter-Strike, je sais pas trop quoi, donc c'est pas vraiment ça. Donc regardez bien où les mecs ils se cachent, mais je les vois pas, hein. Moi qui suis au RPG, je fais que de courir. Et eux, ils sont à la mitraillette ou quoi que ce soit, donc ils font que de camper. Donc vous voyez, mon score est de 24. Donc j'ai quand même un petit peu d'avance, mais vous voyez comment faut rusher comme un fou en fait pour... En fait j'étais en stress. Je veux pas vous mentir, j'étais un petit peu en stress. Pour la raison suivante, c'est que j'ai déjà réussi à gagner une mêlée générale en RPG, mais j'avais fini quatrième parce que je me suis fait rouler, mais au dernier moment, par un mec qui réussit à faire une quadruple en fait. C'est pour ça que je préfère faire super attention de pas laisser aucune chance à l'ennemi. Donc après, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais Body, ton défi là au RPG, t'as mis quand même quelques petits coups de couteau. Donc je vous expliquerai à la fin. Regardez bien. Parfait. Et je sais pas pourquoi j'étais confronté à pas mal de snipers sur cette partie-là. Et beaucoup de mecs à la mitraillette. Hein. Aïe 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 aïe. Donc là, c'est le dernier kill. Franchement, me demandez pas si je veux faire une super kill cam, etc. Parce que franchement, j'étais tellement pressé d'en finir. J'ai vraiment pas voulu faire une super belle kill cam ou autre. Donc regardez bien. Le campeur, le voilà, je l'ai tué. Donc le défi est bien sûr terminé. Donc je l'ai gagné. Comme vous avez pu voir, j'ai mis 6 coups de couteau. Parce qu'il y en a, ils vont me dire, mais Body, t'as fait pas mal de coups de couteau, j'en ai mis que 6. Donc même si t'enlèves les 6, donc je suis à 30, ils sont à 21. Bah voilà, tu comptes, ça fait 24. Donc j'ai quand même réussi à devancer tout le monde. Donc c'était pas évident. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres défis. Portez-vous bien les amis.